Et bonsoir les amis, le débrief de la défaite à Lyon, putain, qu'est-ce que ça me fait chier de le dire, qu'est-ce que ça m'énerve. Là, je viens juste de faire le débrief juste après le match, je me suis posé, j'ai fait le débrief à chaud comme d'habitude. Mais là, franchement, je suis dégoûté, dégoûté parce que de perdre à Lyon, ça me dégoûte. Ils reviennent à 8 points sur nous, on n'a pas fini de les entendre, on va les entendre parler pendant au moins 6 mois. Perdre en plus comme ça à la 93e minute sur une frappe faut le dire, une magnifique frappe de Depay. Je suis dégoûté et je sais pas pourquoi je le sentais cette fin de match. Je le sentais quand je voyais les Parisiens cramer, les joueurs qui se contentaient du match nul, qui marchaient. Merci Daniel Alves à 35 ans de te comporter comme un mec de 15 ans dans un Soccer 5. Il nous fout dans la merde avec son expulsion. Voilà, il aurait pu l'éviter. Bref, la composition, Areola, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa, en 6, Lo Celso, Rabiot, Verratti en relayeur, Neymar n'est pas là, donc Mbappé, Cavani, Di Maria en attaque. Donc, que dire de ce match? Ouverture du score très 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 rapide de Nabil Fekir, voilà, sur la première faute du match, il met un coup franc exceptionnel, magnifique. Mais Areola, je suis désolé, le mec, qu'est-ce qu'il fout à je ne sais pas combien de kilomètres de ses cages et de son poteau? Tu connais Nabil Fekir, tu sais qu'il peut frapper à tout moment comme ça. Pourquoi tu ne bouges pas ton angle? On aurait dit, le but, c'est à lui, on dirait un bug FIFA. Il y a un trou, il y a un espace. C'est incroyable, incroyable. Ceux qui disent que Areola n'est pour rien, franchement, non. Il doit boucher son angle. Il sait que Fekir a la capacité de tirer en direct. Lui, il ne le fait pas. Franchement, le but, on dirait, c'est digne d'un bug FIFA. Quand t'as le gardien, il est à l'opposé. Et le mec, il a beau plonger de tout son corps, de se détendre à 100%. Et le mec, il n'arrive même pas à toucher la balle, quoi. C'est tellement il était loin. Bref, grosse erreur de positionnement d'Areola. Le PSG se met petit à petit dans le match. Lopez sort une grosse parade réflexe sur une tête de Morel qui aurait pu marquer contre son camp. Il l'avait fait au match aller au Parc. Ensuite, alors là, le geste, magnifique. Franchement, superbe. Lopez, petite pute, continue à être comme ça, comme t'es d'habitude. Lui, il ne faut pas s'étonner qu'à chaque fois, il y ait des supporters qui veulent descendre pour lui massacrer la gueule. Ce mec-là, depuis le temps que je le dis, que c'est une petite pourriture, ce Lopez. Le mec, il arrive, tel un sanglier qui débarque dans la forêt. Il arrive, bam, les deux genoux en avant, il démonte la gueule à Mbappé. Je suis désolé. Pour moi, il y a penalty, il y a rouge, c'est clair et net contre Lopez. Il met Mbappé KO, Mbappé qui sort. On n'a pas Neymar, on n'a pas Mbappé. On ne va pas se trouver des excuses parce que Lyon a quand même. Et quand même rentré dedans, a quand même fait son match. On va pas se mentir, ils ont bien défendu, ils ont rentré dedans. D'ailleurs, on parle beaucoup de Nabil Fekir avec Lyon. J'ai beaucoup aimé aussi Ndombele, qui est vraiment très très bon, ce Thiot-là en 6. Je peux vous dire qu'il a la place au PSG. Il a sa place en 6 au PSG. Là, actuellement, on recherche un 6. Je peux vous dire que lui, il a sa place. En parlant de 6, Lo Celso, j'ai trouvé un petit peu en dessous, même si il a fait les efforts, mais j'ai trouvé un petit peu en dessous. Et là. Kurzawa qui nous fait un match merdique, mais comme d'habitude, de toute façon, lui, on va pas tout le temps chipoter sur lui. C'est comme ça, il faut s'habituer jusqu'à la fin de saison, jusqu'à ce qu'il se casse, il va nous faire des matchs de merde. Mais le mec, malgré qu'il fasse un match de merde, il arrive dans le temps fort parisien, pile poil, juste avant la pause, tranquille, nickel, j'étais content. Une reprise de ouf sous la barre. Là, je me dis, c'est bon, ils n'ont pas eu d'occasion depuis le coup franc de Nabil Fekir, on poussait, on s'est mis dans le bain, on joue, ça jouait bien. Les transitions, casser bien les lignes, ça écartait bien sur les côtés, on était à l'aise techniquement, on avait 70% de possession. Et là, je vois le Kurz sorti de nulle part, le Kurzawa sorti de nulle part, qui nous fait une grosse reprise de ouf. Wow, il nous fait tout fermer nos bouches. De toute façon, on est habitué, il marque toujours des beaux buts. Et là, je me dis, deuxième mi-temps, c'est bon, on va y aller, c'est bien, parce que Lyon, faut le dire la vérité, il n'y a pas énormément de jeux exceptionnels à Lyon. Et là, qu'est-ce que je vois? Deuxième mi-temps, ça a l'air d'aller bien à tout, Lyon qui remet un peu des taquets. Et là, Daniel Alves qui arrive, il n'est pas content, il se met devant Turpin, il gueule comme un chien. Allez, boum, dégage. Alors, il nous fout dans la merde. Il nous fout dans la merde. Il nous fout dans la merde, c'est clair. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que quand tu vois Marçal, le latéral gauche de Lyon, la dernière fois, il y a un mois en arrière, avant la trêve, qui met une claque à l'arbitre assistant, il a rien. Hein? Par contre, Alves, il fait un petit truc, il gueule devant la. Hop, là, on sort direct le rouge. Donc, ça m'énerve. C'est d'un extrémisme à l'autre avec les Lyonnais. C'est ça qui m'énerve. Ça me rend fou. Et là, je suis désolé. À partir du rouge, on voit plus rien. Les joueurs sont fatigués. Dès qu'il y a une contre-attaque, dès qu'il y a la balle du PSG, ça va en retrait parce qu'il n'y a plus personne devant. Entre l'attaque et la, entre, entre la défense et l'attaque, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de milieu. Tu comprends plus rien. Ça part en cacahuète totale.
Et Lyon qui pousse, sans trop pousser comme des malades, mais Lyon qui pousse. Et voilà, à la fin, et encore quoi, Kurzawa, une vieille reprise de volée pourrie pour essayer de dégager, la remettre dans l'axe à Fekir, qui donne à Depay, Depay qui met un but genu de je ne sais pas d'où. Je suis un petit peu déçu quand même, parce qu'il y en a qui me disent, oui, on était cramé, oui, c'est clair, on était cramé. Mais encore une fois, on n'arrive pas à gagner à l'extérieur dans un match important. Et moi, ça m'inquiète, le Real, ils viennent de gagner 7-1, dans 3 semaines, on va chez eux. Donc il faut se bouger le cul, là. On a du mal à l'extérieur, on est très fort à domicile. Mais à l'extérieur, dans les gros matchs, on a du mal. On a vraiment du mal. Et je vois le... Et comment là, j'en perds mes mots, ça y est. J'en perds mes mots. Voilà. Donc, on n'a plus de... On n'a plus de niaque, oui, d'accord. On n'a plus de jus. Mais je suis désolé. Tu veux gagner la Ligue des Champions, tu veux être un grand club, tu veux être dans la cour des grands. Bats-toi pour essayer de gagner ce putain de match. Je ne te contente pas d'un match nul. À 2 minutes de la fin, il y a une touche pour nous. Kurzawa, il est comme ça. Il marche comme ça. Hop, tranquillement, je me balade, je visite le groupe Parma Stadium. Putain, jouez vite, les gars, essayez de faire quelque chose. Il y a Pastore qui est rentré, il a essayé de faire 2-3 petits trucs. Les autres, il n'y avait rien, ils étaient là, et tout Moulinson. Les Lyonnais aussi, ils ont fait leur match. Ils n'avaient plus de jus non plus à la fin. Ils ont mis les taquets qu'il fallait. Voilà, bref. Lyon qui revient à 8 points, 9 points d'avance sur Marseille. Alors, espérons qu'on ne fasse pas une fin de championnat catastrophique, ça m'étonnerait, mais bon. Moi, je pense que le titre, il est déjà pour nous. Mais putain, ces matchs, il faut les gagner. Imaginez Marseille, Marseille nous fait un petit coup au parc, on fait quoi? Il faut se réveiller, les mecs. Voilà, je suis à chaud, je suis un petit peu énervé, vous m'excuserez du langage et tout. Bref, match à vite oublié, passons vite à la suite, je suis dégoûté, parce que ça ne me rassure pas du tout pour le prochain grand rendez-vous à l'extérieur qui sera au Real Madrid. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, les amis. Et putain, je vais mal dormir ce soir. Allez, ciao, les amis.